Alcy, François, non, c'est ça, c'est qui c'est Gonzalo là. Mais il va falloir qu'on fasse des recherches sur Internet. Sur Internet? Mais qu'est-ce que tu vas chercher sur Internet? Tu connais pas François, non? Tu connais François, non? Ben oui, qui ne connaît pas? Toi seulement. Écoute, viens qu'à un moment de t'emmener faire un rond du côté de Trinité, mais c'est là que François, non, hein? Maman Mouton, c'est parce que le prof a dit, le prof nous a dit d'expliquer pourquoi on a donné ses noms à ses lycées, à ses collèges. Mais parce que c'est son nom. Comment tu veux appeler François, non? C'est son nom. Tu n'as pas expliqué le nom, enfin. Ta maman t'a donné un nom. Tu le vois et puis c'est tout. C'est ce que tu vas dire au prof. Donc alors, ok. Comment tu expliques Edouard Glissant? Glissant, attends. Glissant qu'a glissé, mon gars dit pas glissé. Trop, sinon il t'est tombé. Comment tu expliques Joseph Sommel? Attends, touché. Tiens, voilà le flamme, tu vois. Ok, donc ça va tout ça. Et France Fanon, comment tu expliques Fanon? Ben Fanon quoi, Fanon! Ok, d'accord, pas de soucis. Un dernier. Comment tu expliques Omer Clément? Ah ben non, t'es sérieux là? Clément, c'est Wong! Tu vois Clément? Ben oui! Pour l'éternité.
Dieu, tu opères au arrêté le travail. Ils viennent vers nous. Nous devons absolument les rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons la chance d'obtenir ce que nous voulons. Laissez la venue, mais qu'elle a un outil. C'est toi qui m'as donné à mes petits que je vais arrêter de travailler. C'est ça. Qui es-tu, hein? Qui es-tu pour nous donner des ordres? Mais vous ne connaissez pas le fils de Mme Bertina, le dernier petit pied qui est là. C'est Pierre qui est là? Est-ce qu'il a bien profité? C'est moi qui m'as dit, Roger. Eh oui, c'est moi, Pierre. Vous devez savoir que depuis plusieurs jours, les ouvriers ont commencé la grève. Ils passent sur toutes les plantations pour demander d'arrêter le travail. Et ils ont raison. Nous ne sommes pas payés pour le travail que nous faisons. Ils nous exploitent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne veulent même pas augmenter notre salaire. Allons-y. Qui a demandé d'augmenter le salaire? De quel salaire tu parles là, quand même, non? Un fonds, et tu appelles ça un salaire? Mais même avec deux fonds, on ne veut rien faire. Aussitôt que l'économie va déposer dans le pot de maman et la petite monnaie qu'il me doit, je vais la porter à leur boutique pour m'aider à me déployer. C'est ça! Et il n'y a même pas assez pour payer ce que je lui dois. Alors tu dis augmentation? Déjà pour eux, ils préfèrent nous tuer! Non, voilà, je suis morte. Et puis après, qu'est-ce que je fais avec deux francs? Il n'y aura toujours pas assez. J'ai sept bouches à nourrir et bon, il n'a pas fait attendre 8e. Maman, va t'en parler à mon cher! Ça me dit ça! Ça qui dit ça, vous passez rien? Mais qui m'a montré ça, moi? Moi, qui m'a montré si moi, c'est un rat, ou bien si moi, c'est un chat? Maman, qui m'a montré ça, que vous connaissez tout? Venez, moi, faites tout, moi. Venez, ça, que ça m'a parlé tout, là. Marjorie, arrête-la. Tu es fière de ce que tu es. Tes enfants, un seul papa. Lâche-le pour cela. La loi est déjà partout sur nous. Ils seront trop contents si on se retient. On ferait leur boulot à leur place. C'est la seule maquette là, avec sa langue sale. Eh oui, laisse ça. On a besoin d'être unis en ce moment. Ne t'occupe pas des railleries. Tes enfants sont l'avenir de notre pays. Nous aurons besoin d'eux demain. Ouais. Et pour le moment, c'est de toi que nous avons besoin. Et de vous tous là. Et même de l'imbécile là. Donc dans sa grande gueule. Alors que l'heure est grave. Mes amis, je vous l'ai dit. Ne nous laissons pas disquer par les colibés, les Milan. Attention, restons solidaires. Ouais. La cause, on a besoin. Attention, ils viennent vers nous. Que ceux qui nous rejoignent là, gardent leur route là. On ne sait jamais avec ces gens-là. Mais dis bien, mais si on arrive les mains nues, ils vont nous tirer dessus. Ah, bon. Mais comment faire, Caribé? De feignants. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On discute. Allez, on nous coupe notre métier là. Il me semble avoir déjà vu sur notre habitation. Mais oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, quoi? Le larbin, le marchepied du béquet, le chien chasseur de nègres, les chevaux. Le voleur de femmes. Ouais. Comment tu penses t'adresser poliment là, toutes ces personnes que tu vois là, là. Ce sont des adultes, des pères et des mères de famille qui travaillent dur pour survivre. Et que ton salopard de bâton exploite. Alors, ton langage de petit bec qui est gris à ma volonté, brûlé dans le soleil. Ramassé sur une plage parmi les immondices et les cadavres de Marion Mégaprestone. Garde-le pour quand tu vas laver les culottes sales de tes bouquets béquilles. Respect ici, tu vois. C'est respect! Déchiré, puant. Merci beaucoup de ta journée. Ah, ouais, ça. Ici, c'est moi qui commande. C'est moi le commandeur. C'est moi qui commande. Garde mon qui est devant là. Garde mon qui est devant là.
jamais travaillé. Ouais. Vous êtes une jeune fille même. Vous n'êtes pas venu à nous, mais vous donnez. Ah ouais, c'est ça. Mais vous allez chercher un autre travail, hein, si vous voulez payer plus. Hein? Ah. Et puis, ah, qui vous oblige à faire autant d'enfants? Ah ouais! Vous m'avez pas compris la modeste. Ça fait si ma mère me parle pour tout. Ouais, m'en parle pas, m'en parle. Ouais, ça fait tout. Commandeur, va voir ailleurs. Et ramasse ta laisse, tu risques de t'en prendre les pieds dedans. Vincent, ta partie doit être déjà bien entamée par tes compagnons, même poil. C'est ça, c'est ça. Fais vite avant qu'ils aient tout mangé. Et ne reviens pas ici sans eux. Parce que, est-ce que tu es en cours là? Ben, il pourrait bien t'étrangler. On ne sait jamais par les temps qui courent. On trouve des squelettes blanchis dans des ravines. Alors, commandeur, va commander ailleurs. Disparais! Allez! Ce sont des menaces? Oui! Allez, 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 allez
d'ici, tous ensemble, et nous allons sur les autres habitations.
demain après-midi, nous serons tous rassemblés devant l'usine du François. Tenez-vous prêts. Attention. Attendez-vous au pire. Ça dit comme bon, mais c'est pour qu'ils autres. Parce que pas en misère, y'a en misé, puis nous, demain bon matin. Ça qui ça, chahier, contre les tambours. Chahier, épisode. Parce que quand vous avez force et puis courage. Mes amis, mes frères, mes sœurs, j'ai entendu dire qu'ils ont peur. Ils font Dieu. Tellement qu'ils ont été chercher du renfort. Mes amis, la journée sera dure. Les armes parleront peut-être demain. Ouais. Et cette paix. Notre paix. Et cette parole. Oui, nous parler. Qui placent leurs idéaux avant l'économie de notre pays.
Ce sont eux qui les ont informés des bénéfices que nous avons pu enregistrer et des dividendes que nous avons pu redistribuer à nos actionnaires. Avec toutes les précautions que nous prenons, comment ont-ils pu être au courant? Nous sommes dans une belle année, une belle récolte, tu t'en rends compte, comme nous n'en avons pas eu depuis longtemps. Si la canne n'est pas coupée, la récolte est fichue, je le sais tout cela. Est-ce utile de larmoyer sur les causes? Cherchons plutôt un moyen de calmer ces foules dangereuses, parce qu'elles sont dangereuses. Ah, comme j'ai dit, ils veulent notre perte. Ils sentent que tout va bien et ils se mettent en crête. Mais qu'attend Gabriel pour réagir? Il attend peut-être qu'on le lui demande. Nos informateurs nous ont indiqué qu'ils comptent investir l'usine demain. Ils ont réussi à faire fermer l'usine du Robert d'Affinité. Nous sommes devant les faits, Léon. Les raisons, nous les connaissons, même si nous faisons mine de fermer les yeux. Il y a parmi eux un dénommé Tipier. Ah, il faut surveiller de très très près. Celui-là, sa mère a été la nourrice de mes cousins. Je ne sais pas où elle a appris à lire, mais il ne disait que du bien d'elle, parce qu'elle leur lisait des histoires. Oui, je l'ai entendu de mes oreilles. Il s'exprime très bien. Les autres, là, ils parlent leur créole. Mais lui, il leur parle en français. Étonnant pour un nègre. Voilà là où ça met. Le fondement même de notre idéologie, c'est de les maintenir dans l'ignorance. Il suffit qu'il y en ait un, qu'il y ait un peu d'instruction, et voilà ce que ça donne. Le mal est fait. Mais il faut agir. Il faut que l'on trouve les bonnes solutions maintenant. Ça veut dire quoi, les bonnes solutions? Accepter l'augmentation qu'ils réclament. 100%? Mais il n'en est pas question. Après, cela deviendrait une habitude. Il faut tenir compte. Mais qu'est-ce qu'il fait, le gouverneur? Si nous ne lui demandons pas son aide, il ne nous l'apportera pas. Le mieux serait de lui envoyer un télégramme. Ah, oui. Fais bien ressortir que nous sommes en danger, que la situation est grave, que nous sommes au bord de l'explosion. Situation très grave. Mal, peut-être enrayé, avec du renfort. Mais il le faut de suite. Pour barrer, bandes armées venant du nord. Et à 5 km déjà du François. Déjà à 5 km du François. Compte sur vous. Voilà. Parfait. Si avec ça, nous n'obtenons rien, nous sommes foutus. 2 francs. 100%. On aura tout vu. Mais pour qui se prend-il le nerf aujourd'hui? Ça m'a déjà essayé une première fois. C'est révolutionnaire. Je les déteste. Je comprends pourquoi mon père disait que l'abolition est la pire des erreurs de la France. Ça m'a déjà essayé une première fois. Mais l'empereur nous a redonné notre dignité et a redonné de la dignité à l'Empire. Et puis, que chacun reste à sa place. Il n'y a aucune logique dans ce que réclament ces hordes de sauvages. Et puis, que feront-ils avec autant d'argent? Et puis, que nous restera-t-il quand on leur aura tout donné? Le suffrage universel. Quelle farce! Des nègres qui votent et qui risquent d'élire des gens qui, comme eux, n'y comprennent rien. À voter. Quelle farce! Gabriel s'imagine que je n'ai pas compris son jeu. Il attend que ses nègres nous massacrent pour réagir. Je vais lui montrer ce que c'est de ne pas nous obéir. Ils sont là pour nous servir, bon sang. Il n'a pas l'air d'avoir compris ça. Il ne fera pas de vieux os ici. Il peut en être sûr. S'il ne réagit pas,
nous informerons directement le ministère des colonies. Bougenot est bien plus utile et efficace. Heureusement qu'il est resté à Paris pour défendre l'initiative. C'est fait. Ah, pour une fois, elle était efficace, cette étape. Très bien. Oui, entrez. Bonsoir, monsieur Léon. Bonsoir, monsieur Léon. Monsieur Léon, qui a soulevé le coup, oui. Clément, qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il nous veut? Divinez. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il n'est pas de notre compte, ça c'est sûr. Et il ne vient tout de même pas ici pour défendre ses ordres de sauvage, quand même. Ah! Clément, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Que je passe avec moi, monsieur Ayot. Vous savez pourquoi je suis venu ici? Ah non, docteur. Puisque monsieur Ayot vous dit qu'il ne connaît pas l'objet de votre visite, dites-le-lui. Monsieur, je ne suis pas ici pour faire des devinettes. Je suis venu pour vous parler de la situation de la commune. Tous les ouvriers sont en grève! Alors là, Clément, si c'est ça que tu es venu nous annoncer, perds ton temps. Il faut être aveugle, sourd, muet ou, mieux encore, mort pour ne pas être au courant de cette folie. Monsieur, ce n'est pas une folie. Ils réclament ce à quoi ils ont droit. Ah, au moins, tu auras réussi à me faire rire, Clément. Te voilà devenu le défenseur des miséreux. Ils réclament du. Et après, ils voudront nous chasser de nos terres et de nos maisons. Vous, les mulâtres, vous ne comprenez rien à l'économie. Vous n'avez pas besoin de me rappeler mes origines. Je sais d'où je viens. Et en plus, je ne suis même pas venu vous demander d'augmenter les salaires, même si je crois que cela ne vous ruinerait pas. Mais qu'êtes-vous donc venu faire alors? Nous prendre notre pouls? Vous assurez que nous allons bien, docteur? Et vous savez pour cela sur la plantation des vétérinaires. Hé, Clément, ça suffit! Tu dépasses tes bornes! Tu es chez moi, ici, dans mon salon! C'est vrai, et je n'y resterai pas longtemps. Mais avant que je ne parte, j'aimerais vous exposer l'objet de ma visite. Et allez-y! Le temps pour vous le réclamer. Il m'est parvenu que vous avez demandé au gouverneur du renfort et qu'une milice est déjà en direction vers le François. Comment c'est-il déjà cela? Oui. Et alors, nous nous sentons en danger. Nous avons besoin d'être défendus. Messieurs, vous n'avez pas besoin d'être défendus contre des travailleurs armés de coups de l'ail à bien en guenille. Messieurs, renoncez à cela. Il va y avoir un massacre. Qu'as-tu peur de Clément? De quel massacre? Si le gouverneur nous envoie du renfort, c'est précisément pour qu'il n'y ait pas de massacre. Monsieur, renoncez à cela. Entamez des négociations. Il ne vous demande pas grand-chose. Il vous demande juste 2 francs. Mais vous ne comprenez donc pas? Il n'y aura pas de négociation. On en vient à regretter le bon vieux temps. Est-ce qu'on négociait en ce temps-là? Pas de négociation. Le fouet, et puis c'est tout. Vous en avez la nostalgie, mais ce temps-là est résolu. Messieurs, il n'est pas trop tard pour éviter le massacre. Bonsoir. Si le sang doit couler, il coulera. Mais ça ne sera pas le nôtre. Je connais bien vos habitudes, monsieur Ayot. Bye.
Reculez. Mais c'est pas François qui l'a, il a raison. Reculez. Mais pourquoi négocier?
Mathurin Chassol. Émilien Amison. Auguste Espalera. Paul Chassol. Augustin Cloutal. Léopold Félicien. Victor Merlon. Mademoiselle,